Ancien pasteur Chris, je fais partie des fruits de votre ministère. Je vous aime tant. Pouvez-vous m'expliquer comment Satan peut retarder ma bénédiction? Satan peut seulement influencer votre vie si vous le laissez faire. C'est la permission que vous lui donnez. Donc, si vous lui laissez accès à votre vie, il fera quelque chose. Car il observe toujours le moment où prendre avantage de toute situation, pour prendre avantage de toute opportunité que vous lui donnez. Mais au sujet du fait qu'il retarde vos bénédictions, les bénédictions ne viennent pas de lui. Donc, comment pourrait-il les retarder? Elles ne viennent pas de Satan. Elles ne proviennent pas de lui. Donc, il ne s'agit pas de Satan qui retarde vos bénédictions. Je pense que vous devez plus penser au fait que Satan vous retarde, vous, en mettant des obstacles sur votre route pour vous retarder de vous approprier vos bénédictions dans votre vie. Donc, il s'agit plus des obstacles qu'il met sur votre route. Et vous pouvez identifier ces obstacles à travers la parole de Dieu, à travers la connaissance de la parole de Dieu, quand vous agissez sur la parole de Dieu et apprenez à fonctionner par l'Esprit. C'est pourquoi vous avez reçu le Saint-Esprit, pour qu'il vous guide à vivre une vie spirituelle.